Yo les délistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais vraiment giga bien. J'ai un pote à moi qui était en vacances, et bien simplement à New York, qui m'a envoyé un petit message en mode est-ce que tu joues à Yugi? La vie réponse était évidemment oui, et il m'a ramené des displays GRCR. Extrêmement content de pouvoir ouvrir ça avec vous sur la chaîne. Gros big up à toi. Benjamin, c'est un ancien joueur Yugi, voilà, d'Angoulême, ça me fait extrêmement plaisir qu'il ait pu faire ça pour moi. J'espère qu'on te reverra jouer dans les quoi un jour ou l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir ces displays-là. À l'intérieur, il y a beaucoup de trucs, je l'avais tombé carrément, beaucoup de trucs trop cool. Il y a du Exosister, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Il y a surtout les Brave en US et les Punk en US. Je vous montre pas que c'est exactement pour ça que je les ai achetés, parce que je compte jouer des petites Engine Punk dans certains decks, etc. Et le fait de les avoir en brillant sa mère, ça me rend très heureux. Donc j'espère qu'on aura une bonne ouverture. Je m'excuse, il y a le ventilateur qui tourne juste ici. J'espère que vous ne l'entendrez pas, mais c'est pour une question évidente de front qui brille et de température bien trop élevée au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça ne sera pas gênant au montage. Et le micro est assez éloigné, etc. Je pense que ça ira. Je risque de rusher un petit peu les boosters, parce que voilà, c'est GRCR, c'est une extension qui a quand même quelque chose comme 6 ou 7 mois. Donc on connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'arrêterai bien évidemment sur toutes les cartes qui brillent bien incroyable. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Et c'est parti pour cette ouverture exceptionnelle sur ma chaîne. Voilà, ouvrir de l'US, mine de rien, c'est assez rare. Donc voilà, let's go. Ok, donc c'est parti pour ces 3 displays. Donc 3 fois 24 boosters, ce qui nous fait quand même normalement au moins jusqu'à 12 ultra. Évidemment, j'ai rien prévu pour ouvrir ça. 3 hours later. C'est fou, parce que j'y pense à chaque fois. À chaque vidéo, je me dis, ah putain, faut absolument cette fois que je prépare un truc. Et à chaque fois, vas-y, j'oublie. Et donc du coup... je fais de la merde. Évidemment, il y a les collecteurs aussi dans cette extension qui sont vraiment pas mal. Et je crois qu'ils ont remis les emergency, etc. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, les boosters US sont bien plus clairs que les boosters européens. Donc on a des cartes qui sont bien plus claires et du coup appréciées par beaucoup de joueurs en Europe. La fusion, l'Insector, la synchro, la waouh, pardon. La Link Insector, le Insector Xyz, le deuxième Insector Xyz, du Exosister et le petit Psychique. Donc nous, ce qui nous va principalement nous intéresser, c'est tout ce qui est Punk, tout ce qui est Brave, mais vas-y, tout ce qui est autour, je prends également. Du Punk, encore l'Insector, limitation d'insectes, Forex, Exosister et du Insector également. Donc je sais pas si on le verra bien, là on le voit bien parce que sur les Ultras ça rend bien. En fait, en gros, ça brille bien plus qu'une carte normale et c'est plus clair également. Ce qui fait que les cartes sont, à mon goût en tout cas, bien plus jolies. Alors, une carte magique d'équipement, une carte magique classique. Gokipol, du Punk, très content de faire tomber cette carte-là. Le Psychic Tracer, du Insector et du Punk. Bon, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? J'avoue que si je pouvais avoir au moins Griffon, ça serait cool. Quelques ultras, les punks qu'il me manque, ça serait vraiment pas mal. Punk, Exosister, le Warrior magnétique. Ok, super, pas forcément qui nous intéresse, mais qui est toujours cool. La petite Dracobac, voilà, qui tombe en commun US, donc ça fait en rare US, ça fait plaisir. De l'Exosister et du Papillon. On va se faire des petits paquets des cartes qui m'intéressent. J'avoue que ça, j'en voulais qu'une seule du coup, mais ça suffit. Exosister, c'est cool. Alors les punks, il n'y a pas tout qui m'intéresse dans les punks, il n'y a vraiment que la partie... le petit engine qui se splash et qui fait des trucs un peu débilos tout seul. À savoir notamment la nouvelle level 5 là, qui est tombée dans la dernière extension. Hop, du punk à nouveau, mais c'est pas celle qui m'intéresse. Imitation d'insectes, du punk. Ah, il y a Solemn Strike aussi en US qui fait plaisir. Alors sachez que, évidemment, il y a quelques cartes que je recherche pour faire des decks profiles, etc. Mais l'intégralité du reste des cartes, eh bien, ira sur CM. Donc n'hésitez pas à aller sur le card market de l'entreprise pour récupérer les cartes qui vous intéressent. Elles seront mises en vente, c'est prévu, directement dessus. Le Torrentiel qui est joli, le Psychique qui est cool, la Dark Place et le Insector à nouveau. Bon, pas une seule ultra pour l'instant. J'espère vraiment qu'on n'aura pas de display bugué parce que c'est tellement rare de récupérer des displays US en France que ça foutrait un peu les boules quand même. Du Punk, du Insector et le Griffon qui tombe. Oh, il est très très beau. Je vais essayer de vous montrer la différence. Tiens, j'ai ma deck box qui est ici. Hop, et j'ai un Griffon à l'intérieur. Voilà, mon Griffon est juste ici. Tac, et je pense que la différence va être assez flagrante. Ouais, je pense que c'est assez flagrant. Le dessin est beaucoup plus clair et il est également beaucoup plus brillant. Je sais pas si on va réussir à... J'ai pas un angle qui me permettrait de... Ouais, vous voyez, regardez là, c'est assez platonique. Et là, on a vraiment le truc qui brille et tout. C'est vraiment une très bonne carte. Je suis content de l'avoir fait, tout simplement, tomber. Alors, je vais mettre ma deckbox de côté parce que je voudrais pas faire tomber mes cartes non plus.
Mais Griffon Dracobac, c'est un bon début. Il nous manque plus que tout le reste maintenant. Dupunk, Insector. Ah voilà, ce que j'allais dire, c'est que quand on n'a pas de. Quand on n'a pas la troisième, c'est qu'il y a une ultra. Et c'est Exosister Sophia. Donc voilà, pour les joueurs Exosister, sachez que cette carte-là ira très probablement sur CM. Donc ça reste une ultra Exosister. C'est une bonne carte, on va dire. Du Punk, du Exosister qu'on n'avait pas encore eu. La Résurrection, du coup. Du Dracobac, du Exosister ici et là. Tac. Je vais récupérer tout ce qui est rare. J'avoue que tout ce qui est ultra et compagnie, j'ai pas spécialement envie de faire le deck maintenant. Il sera bien reprint un jour ou l'autre. Donc je ferai le deck au moment où ça sortira. Le fameux Warrior qu'on avait déjà eu. Torrential. Et on a. Ah non, c'est pas... j'allais dire une nouvelle, mais non, ce n'est pas une nouvelle. Alors, sachant qu'il y a également des collecteurs dans cette extension. Du Punk, à nouveau. C'est pas celui qui nous intéresse, toujours. Mais bon, voilà, ça se prend. Hein. Et toujours pas une seule ultra. Hein. Toujours pas une seule ultra et plus de la moitié. Une seule ultra, pardon. Et plus de la moitié de la boîte qui est passée. Tac, on a récupéré ce playset là. Et on a récupéré ce playset là également. Il nous manque plus que les monstres Exosister à récupérer. Du coup, je vais même continuer de mettre ma pile ici. Là, on a Irène qui est très jolie. Emergency, alors Emergency en US, on va pas se mentir, hein. C'est une rare, mais elle est très très jolie. Hein. Et c'est elle qui m'intéressait particulièrement, voilà, parce qu'elle, elle est trop forte, toute seule. Donc je suis content de l'avoir également récupérée. Donc ça c'est fait, ça fait plaisir, on continue, tac, et on avait effectivement pas encore eu celui-là. C'est assez bizarre, alors je saurais pas comment vous décrire ça, mais j'ai tellement l'habitude de passer des cartes dans mes mains que là quand je les passe, elles me paraissent un peu plus rêches, je sais pas comment dire, elles glissent moins que les cartes européennes. Hop, le deuxième Emergency, et on a une ultra nulle, mais une ultra, donc bon, voilà, bah, elle est là, hein, on en a deux. Ça fait deux ultras qu'on ne veut pas, bon, on va essayer de focus les ultras qui nous intéressent un peu plus. On a une Exosister Ghibrine en US, ok, ça marche. Bon, je dis en US, mais elle ne peut être que en US, de toute façon, dans ces displays-là, vu que c'est naturellement... Mais c'est tellement rare, en fait, de trouver de l'US en Europe que... bah, du coup ça fait toujours plaisir en fait tout simplement d'en ouvrir. En tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir. La petite hélice qui est très très belle. Peut-être que ça rendra pas si bien que ça à la caméra. Mais vas-y elles sont incroyables. Franchement. Donc il nous manque deux ultras. Il nous manque deux ultras. Tac, on a une autre Irène qui tombe. Il n'y en aurait eu qu'un seul griffon pour l'instant. Hop, et un ogre dense qui tombe. Donc là, c'est une bonne ultra également. C'est une ultra qui commence à monter en prix également. Donc c'est plutôt une bonne chose. Elle est jouée dans certaines engines, pas tous. Mais ça reste une très bonne carte. Ce qui nous ferait plaisir, ce serait faire tomber un playset de Rite ou quelque chose comme ça. Playset de Rite ou playset de Enchantress, ça serait vraiment incroyable. Parce que si c'est pas un playset, ça fait un peu, tu sais, je sais pas comment dire, des pareillés quoi. Donc ça serait moins fou. Le Dragonfly. Hop. Et le troisième Emergency qui tombe. Une piège. Et on a deuxième Dracobac ou troisième Dracobac, je sais pas exactement. Et ça fait un sacré paquet d'ultra, mine de rien. Du Exosister à nouveau. Et si je me trompe pas, normalement il nous manque une ultra. Donc j'espère qu'elle sera ici. Ça me ferait très plaisir en tout cas. Et non. Alors on a, je vais recompter, hein, mais je crois que eh bien nous n'avons pas eu de chance sur cette première display puisqu'il manque déjà une ultra. J'ai un peu le seum, je ne vais pas vous mentir. Une, deux, trois. Ouais, on n'en a eu que trois ultras sur cette première ouverture. Bon, c'est le jeu. C'est un peu tristouné, je ne vais pas vous mentir, mais c'est le jeu. On va se mettre les Exosisters de côté, tiens, quand même. Les super Exosisters pour voir si on arrive à avoir les playsets de ce qui brille. Je vais pas mettre l'ultra de côté parce que l'ultra il y a peu de chances qu'on ait le playset quand même. Tac. En tout cas je sais pas ce playset là donc je préférerais avoir le. C'est pas cette carte là donc je préférerais avoir le playset. Alors on continue, on enchaîne avec cette deuxième display. On sait qu'au début des boîtes là, il n'y avait pas beaucoup d'ultra. Carte Exosister. Et non, il n'y a que les raretés qui nous intéressent. Tout ce qui était en petite rareté, on les a déjà passées. Donc, il n'y a vraiment plus que les grosses raretés qui nous intéressent. Et on a un playset de la super. Beaucoup de Dracobac. Dracobac, je pense que c'est une carte qui, très sincèrement, va intéresser beaucoup de monde. Un peu comme Griffon. Parce que c'est des cartes qui sont tellement utiles
dans le deck que bah vas-y, tout le monde les veut quoi. Les Solemn aussi c'est une bonne chose, hein. Solemn c'est une carte qui coûte pas grand chose, en US ça va pas coûter grand chose non plus. Et ça fait toujours une très bonne carte quoi. Et vas-y mais putain ça par contre ça me fume hein. Franchement on en a combien de lui là? Qu'est-ce que j'en ai branlé de lui? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 ta mère! 5 fois cette merde là. Alors peut-être qu'elle sera utile un jeu dans le jour, j'en sais rien. Et un seul griffon, bah franchement ils abusent un peu sur les ratios. Mais encore une fois, ce n'est pas un set principal, donc on connaît. Et c'est une collector, messieurs, dames. Mais quoi? Attendez, je rêve. On vient de tomber une collector. On vient de tomber une collector en full random. Une collector US. Mama, comment elle est incroyable. Attendez, il faut absolument que je trouve une sleeve. Désolé, bruit, les bruits de chaise. Hop, on va la mettre sous sleeve directement. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais mettre, tiens, je vais en profiter. On prend une petite pause de 3 minutes. Hop, les ultras, mine de rien, ultra cool ou pas, j'en sais rien. Ça reste des ultras, on va se les protéger, on va se les mettre sous sleeve. Histoire d'être tranquille. Donc le ogre, j'en ai un en ultra FR, donc je vais probablement swap contre le mien. Là, on peut enchaîner. Mais écoutez, petite collector, alors du coup je fais le gamin, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de collector depuis tout à l'heure? Parce que si ça se trouve, c'était pour ça que notre ratio n'était pas bon. Ça serait assez improbable, mais non, c'est pas le cas. Ça aurait été assez improbable, ça aurait été même plutôt cool, on va pas se mentir. On enchaîne. Ah, bah deuxième griffon. Griffon, que du coup je peux mettre ici maintenant, parce que je n'en voulais qu'un seul. Mais griffon, c'est une bonne carte. Griffon, c'est une carte qui fait plaisir. Griffon plus collecteur à la suite, on est content. Pas vous mentir, on est content. Ça, par contre, je m'en tape, vraiment. Je n'en ai strictement à rien à faire. Ah, ça messieurs dames, mais attendez cette display elle est incroyable hein, parce que là on a déjà eu une collector, un griffon et un rite. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste trop bien. Il nous manquerait deux rites du coup. Il nous faudrait deux autres rites pour avoir le playset en US. Parce que sinon je vais être obligé d'acheter ce qui me manque et tout, et vas-y c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah mais on a une super, putain j'ai passé tellement vite les cartes que des fois c'est un peu perturbant. Par contre les exorcisteurs en vrai, elles tombent pas beaucoup dans les boîtes, j'ai l'impression. Du punk à nouveau. Hop, du punk à nouveau. Les irènes, on les a toutes déjà, oui. Rit, ça fait plaisir quand même. Hein. En plus, elle est vraiment très très belle. Emergency, ça fait plaisir. Et la Foxitune, ça les gars, très bonne carte. Hein. On va pas se mentir. Hein. Très très bon extender. Je ferai probablement une vidéo soit où je présente un deck profile où je joue Foxitune avec bah, probablement Orcus en fait tout simplement. Soit je crois que je ferai une vidéo dédiée au punk parce que l'engine punk en one card combo il fait quand même rouleur full leash 5 plus Fibrax derrière, tu vois, genre c'est quand même incroyable. Ou des X6-8 qui vont negate face up monster n'importe quoi. Donc en soi monstre de la main n'importe quoi. Donc c'est vraiment très fort, et Foxitune est un très bon extender en soi. Et on a un deuxième ogre de la danse, qui est une bonne ultra également. On a eu une bonne display là, mine de rien, parce qu'au final on a eu, pour l'instant on a 3 ultras, 4 ultras? Non. Ah oui non, pardon, je dis de la merde, c'est que la collector elle est là. Et on a eu les 3 ultras de la pourri, 3 ultras pas ouf de la... Donc là on serait sur un bon ratio pour l'instant. Si on avait encore une ultra, on serait sur une très bonne display. On va pas trop en demander non plus, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que ça serait quand même assez cool. Hop. Beaucoup de support pour tous ceux qui veulent des cartes un peu génériques qui sont sorties dans cette extension. Mine de rien, on en a pas mal qui est tombé là. C'est des trucs tout con, mais genre pour tout ce qui est Insector, toutes ces choses-là, c'est pas mal, mine de rien. Le Dracobac, du X6, le Solemn Strike. Il nous reste 4 boosters la dernière. Franchement, 3 boosters ou 4 boosters, il y a moyen qu'on tape une ultra encore, ce qui serait incroyable. Hop, une deuxième exorcister. Les emergency, c'est toujours un bon investissement, on va pas se mentir. Ça c'est 2. J'ai toujours un doute, parce qu'en fait elle brille tellement, c'est pas une vanne, hein. C'est qu'elle brille tellement devant moi. Je sais pas si, je peux pas vous montrer ça, mais il y a une pile de boosters à côté de moi, c'est incroyable. Une exorcisteur à nouveau. Mais ouais, il y a certaines cartes qui brillent tellement qu'elles donnent l'impression d'être une collector en fait. Et dernier booster, c'est
c'est une ultra, mais c'est une super, mais c'est une bonne super. Bonne display celle-là, on va pas se mentir, très bonne display. Hop. J'espère que ce sera pas trop désagréable pour vous, c'est que j'ai fait tomber tout ce qu'il y avait à côté de moi. J'espère que ça aura pas fait un bruit dégueulasse. Hop, je viens d'ouvrir la display numéro 3 et nous sommes à 14 minutes, donc on aura largement le temps, je pense, d'ouvrir cette dernière display ensemble. Hop, et on commence avec une super. J'aime beaucoup ces boosters là avec des super obligatoirement. En mode, t'as que des rares et des super, tu vois, ça reste quand même plutôt cool. Ziamin, c'est une bonne carte, hein, on va pas se mentir. C'est elle qui start la plupart des combos dans Punk, donc bonne carte, c'est toujours cool de la faire tomber. Xyz Universe, encore des Dracobac, des Griffons, etc. Encore cette carte. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre cette carte là. Putain. Faudrait que je la lise parce que ça se trouve elle fait un truc cool. Peut-être qu'un jour elle sera très forte, mais. Merde, putain, je peux tomber toutes les cartes. Et j'ai une ultra. C'est Fateful. Oh yes, let's go. C'est vrai que j'ai même pas pensé à Fateful, mais Fateful qui tombe en US. C'est une carte qui reste sur ton terrain et tout, donc franchement c'est cool. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis tellement content. Et franchement, quand j'ai vu toutes les displays qu'ils pouvaient ramener, il y en avait d'autres qui étaient plus intéressantes, mais. En vrai, le rapport qualité-prix, parce que les displays sont un peu moins chers aux US, j'ai plus le prix exact parce que j'ai acheté pas mal d'autres trucs à côté, mais c'était pas très cher et GRCR me semblait la plus worse en termes d'ouverture à acheter parce que vas-y, Foxytune elle est chère, vas-y, tous les Braves ils sont chers, enfin, tu vois, genre ça reste quand même très cool. Et encore cette carte là, putain. Et je sais pas combien de fois on va l'avoir, mais t'inquiète qu'on va l'avoir un nombre incalculable de fois là. Griffon à nouveau, Griffon, tu vois, je préférerais largement avoir full Griffon que full Magikor Warrior of the Replique là, ou Relique. Hop, le piège Exosister. Le Dragonfly, sachant qu'on, je rappelle qu'on s'est fait douiller la première display, on a eu que 3 ultra, hein. Ça en vrai, pas très cool. Premier playset qu'on termine, en fait j'avais pas remarqué, mais on a terminé le playset de Exosister Stella en 3 displays. Les X6 Exosister tombent pas beaucoup. Le No Junk, encore du Dracobac, ça c'est cool. Ah, on a une deuxième Sophia qui tombe. Une Ultra, donc qui dit Ultra dit Sleeve. Tac. On aura eu tous les x1 de Brave important, ça c'est plutôt cool. Peu de chance qu'on ait Enchantress, peu de chance qu'on ait encore 2 rites, tu vois, là c'est assez peu probable. Enchantress serait une grosse carte de l'extension, mine de rien. Je crois qu'on a eu qu'une seule ultra pour l'instant, 2 ultras ? Ah, je sais plus. 2 ultras peut-être, donc il me resterait 2 ultras à faire tomber. Hop. Eh bien, on a terminé également les playsets de Super X's Exosister. Du Punk à nouveau. Oui, du Punk à nouveau. On va pas avoir que 2 ultras. Genre, vraiment, ça serait la maxi douille, tu vois. Genre, ça serait vraiment pas de chance en vrai. Sur le fait que ces cartes-là, elles aient pris l'avion, tu vois. Franchement, ça serait un peu la douille. Ou au moins pas deux displays avec 3 ultras. Enfin, franchement, ça serait pas cool. Ça serait vraiment pas de chance. Mais bon, vas-y, c'est le jeu. Hein. On a eu des bonnes cartes. Tu vois, on finit le playset de Hélice. Et dernier booster. Je vais peut-être tromper dans les calculs. Ah, dernier booster, on a encore une ultra. Ok, c'est ok. Donc, du coup, on a eu 2 displays à 3 ultras. Et une display à 3 ultras, une collector. Donc, dans les cartes très cool que je voulais absolument, c'était ces deux-là, je voulais un playset de ça, et en fait, je les ai pas sortis au fur et à mesure où je les ai fait tomber. Et je sais qu'il y a largement un playset, voilà, donc, ça c'est cool. Je voulais... en fait, c'est pas forcément des cartes que je voulais, mais je me dis, je les ai déjà, en fait, en FR. Donc, je suis content de les faire tomber en US. Chacun des playsets. Des Exosisters. Tac. Ah, j'ai que 2 Irene. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai que 2 Irene? On a fait tomber d'autres Irene, ça vous parle ça? Ah oui.
Peut-être que je l'ai soif sans faire exprès. 3 Emergency. Pour moi, c'est une carte qui, un jour ou l'autre, va repasser à 1 ou 2 parce qu'elle est trop forte en fait. Les magies Exosister et la dernière Xyz, ça c'est cool. Et après, en termes d'ultra, on a quand même eu une Michaelis, une Sophia. Ah, on a eu 2 Sophia, je crois. Ouais, c'est ça, on a eu 2 Sophia. 2 Sophia, un Faithful, une Michaelis du coup, mais en collector. Un Ritz, un Foxitune, 2 Ogre Dance. Et au final, on a eu quasiment que des bonnes ultra, en vrai. À part ça. Par contre, dans les super. Combien on a eu de l'autre connard là? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On a eu 7, bordel. En fait, c'est pareil pour la lien. La lien, on l'a eu je sais pas combien de fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Tu vois, c'est des cartes de merde. Mais voilà, on a eu des griffons. Mine de rien, on a eu pas mal de griffons aussi, j'ai l'impression. Un griffon. 2 griffons, 3 griffons, on a eu 4 griffons avec le mien, ce qui au final est pas trop mal. Et après on a eu pas mal de Dracobac, mais vas-y la pile, je sais pas si vous la voyez d'ici, mais c'est quand même une giga pile de cartes en US qui arriveront sur CM d'ici quelques temps. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'on a eu de la chance dans notre malheur en récupérant bien simplement une petite collector, puisque ben voilà, 3 ultra par display, c'est pas de bol, mais franchement cette ouverture, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, les US, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui ont l'habitude de me croiser en tournoi, etc., c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Là, pouvoir carrément ouvrir une display qui vient d'Amérique et qui du coup par défaut est plus claire, plus brillante, etc., ben, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que cette ouverture un peu plus rush, mais voilà, présentation de la rareté, tout ça, ça vous a plu. Moi en tout cas, j'étais très content de partager ce moment là avec vous. Encore une fois, je le rappelle, c'est vrai que certains vont voir ça comme de la pub pour l'entreprise, et c'est clairement le cas. Toutes ces cartes là, là c'est qu'une petite partie, mais je peux pas tout porter avec ma main. Bien sûr, on est très bientôt en vente sur le Card Market, donc n'hésitez pas à aller checker la description, voilà, pour y les retrouver directement dessus. Donc n'hésitez pas à aller vite voir, parce qu'il risque de se passer quelques temps entre le moment où c'est mis en vente et le moment où sort la vidéo. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. En tout cas, ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, votre meilleur pouce, votre abonnement. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les potes!